Allez, c'est parti, nouvelle journée sur la restauration du bateau. Aujourd'hui, là, je l'ai retourné. La résine que j'ai faite hier, ou dans la dernière vidéo pour vous, a bien bien durci, c'est nickel. Elle est en bas, j'ai retourné le bateau. Là, on va s'attaquer à toutes les bordures. Voilà, là, je vais m'attaquer à ces bordures. Comme vous le voyez, ça fait un petit écart. Donc, pour résiner, ça va pas être possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper cette partie. Là, je vais mettre quelques petites baguettes en bois pour combler tout le... les vides, pareil, mastic fibré, on va faire un truc bien arrondi, bien lisse. Et après, je vais poncer un petit peu sur cette partie pour faire apparaître la fibre. Et on va avoir une bonne accroche quand on va résiner ça. On a les caissons qu'on n'avait pas tout à fait fini la dernière fois, il faut manquer à résiner là et là-bas. Pareil de l'autre côté, un petit coup de ponçage à la main pour que ce soit bien propre, etc. Et ça va être nickel. Il y a 2-3 autres petits endroits où il va falloir faire un peu de résine. Donc j'attends qu'il fasse un peu plus chaud pour faire la résine. Le matin, là, il fait 6-7 degrés. On va attendre l'après-midi, il annonce 20 degrés cet après-midi, ça va être parfait. Allez, c'est parti, bah, je découpe ça, on va faire les baguettes, le mastic. Et puis c'est parti. Continue à la main. Enfin revenu. Du coup, ici j'ai fait deux petites baguettes à la main, voilà, qui vont permettre de combler. Ça m'évitera de mettre trop de mastic, ça coûte assez cher le mastic, le bois ça coûte moins cher, et je vais les coller au mastic et recouvrir le mastic, et après ponçage pour faire des bords bien arrondis. Le mastic que j'ai mis là sur toute cette partie commence à être sec, pas encore tout à fait, mais ça commence à durcir correctement. Donc je vais mastiquer pareil, de la même façon, ces deux baguettes. Et ensuite il va falloir poncer pour faire apparaître la résine un petit peu. Je n'aurai pas à le faire à la main si l'électricité est revenue, ça c'est déjà pas mal. Et puis c'est parti. Thank you.
C'est quoi ça? Dans le tube. Petite merde ça. Ouais. Viens avec. Voilà, ça y est. La résine, première couche en tout cas de mat est posée. Après, ce sera le roving, le tissu de verre, qui va aller par-dessus pour une finition nickel. Mais peut-être après un ponçage, je vais voir si ça a le temps de sécher avant la fin de journée. Parce que je veux finir absolument la résine aujourd'hui. Voilà, c'est nickel. J'ai fait aussi les 2-3 petits endroits qui manquaient là. Là-bas, pareil. C'est parfait. Voilà le résultat. Tout, il n'y a plus qu'à attendre que ça durcisse. Voilà, tout est nickel, le rendu va être parfait. Et après, un petit coup, un ponçage assez fin. Si ça suffit pas, une petite couche de résine simple, puis un ponçage et puis gel coat. Gel coat et puis on est bon pour l'étanchéité. Ensuite, les trous à percer, les fixations à poser. Plein de petits trucs à poser sur le tableau arrière et l'aménagement intérieur à finir. Voilà, ça avance bien.